人類の変革をなさんとする者たちがいた。雪のごとき廃古る世界に彼らは夜明けの鐘を鳴り響かせる。機動戦士ガンダム00、天使の羽、それは時代への楔か。機動戦士ガンダム00ガンダムマイスターズ。Et bonjour à tous, c'est Bejuto et bienvenue dans l'épisode numéro 5 de Gaming Bad. Je suis en compagnie de Vieri. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on vous présente Gundam 00 Gundam Master, un jeu tiré de la licence Gundam et plus précisément Gundam 00. Donc Gundam 00, un anime de 50 épisodes découpé en deux saisons, bien sûr, qui sont bien distinctes. Ce jeu vidéo adapte la première saison, vu qu'il est sorti en 2008, c'était au début de la saison 2 si je me trompe pas. C'est ça, c'est les deux sont sortis en même temps, plus tard il y a eu un film aussi. C'est ça. Donc je vais vous montrer le mode mission, où on a le choix entre les quatre protagonistes principaux. Donc Setsuna FCA tout à gauche, après Locon Stratos, Aluya Aptism et Chiria RD. Ah, je crois que j'oublie. Et donc Vieri, tu vas nous raconter c'est quoi le scénario de l'animé Gundam Double. Alors ouais, je vais essayer de résumer parce que c'est assez compliqué. Donc ça se passe dans un futur alternatif, donc le monde manque de ressources et se tourne vers l'énergie solaire, et pour ça ils construisent des ascenseurs orbitaux pour lesquels chaque nation forme des unions en fait. Genre par exemple le continent américain contrôle un ascenseur orbital, ensuite il y a une, comment dire, une union européenne qui contrôle notre ascenseur, etc. etc. Ce qui fait que toutes ces nations se battent entre eux, il y a des attaques terroristes sur les ascenseurs orbitaux, etc. Et on démarre l'histoire donc avec une organisation qui répond au nom de Celestial Being. Et c'est une organisation secrète qui possède les Mobile Suit Gundam et donc qui décide de mettre fin à tous ces conflits. Tout simplement, en se battant et en réglant tout ça de façon pacifique, un gros coup de flingue et d'épée laser dans leur gueule. Ouais. Les Celestial Being, eh oui. Ouais, bah, c'est un truc qui m'avait fait beaucoup marrer dans l'anime. En fait, c'est en gros, ils interrompent les guerres en se battant contre tout le monde, en gros. C'est ça. Alors, donc, stopper les guerres en faisant plus de guerres. Voilà. Exactement. Et donc pourquoi on prend ce jeu? Donc déjà, première chose, je vais vous dire très franchement, première chose, ce n'est pas un bon jeu. Voilà, je suis honnête avec vous. Ce n'est pas vraiment un bon jeu. Bon, il est beau, il est bien adapté par rapport à l'anime. Oui, il y a, voilà, il y a beaucoup de références. Comme d'habitude. Comme d'habitude, comme on le fait souvent en vidéo sur notre chaîne, on fait des jeux qui sont où il y a beaucoup de fanservice, et là il y en a beaucoup dans ce jeu. Il y a beaucoup de trucs fidèles à l'univers des Gundam, et voilà quoi, c'est sympa. Voilà. Faut savoir aussi que le jeu est développé par le studio Yux, donc studio qui a bizarrement développé, d'après Wikipédia, les jeux de catch SmackDown vs Raw, WWE, etc. Ce qui, ouais, est un peu bizarre, parce que c'est un studio japonais. Oui. Moi je suis resté un peu sur le cul quand tu m'as dit ça, parce que je pensais que c'était des jeux américains, tu sais, ouais. Mais en fait non, c'est des jeux créés par des japonais. Ouais, ils ont fait aussi un autre beat'em all qu'on va tester peut-être bientôt. Donc adapté encore une fois d'un anime. Par contre qui est très 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 bon ce jeu. Ouais, c'est très bon. Il est bon mais répétitif. En fait c'est le même problème que ce jeu. Ah, moi j'aime bien. C'est que ce Gundam, il peut être bon,
on peut l'apprécier, mais il est extrêmement répétitif. Et surtout très abrutissant, vous allez voir, on va vous mettre les bruitages à fond, les musiques, et vous allez vite souffrir. Ah, par contre, chose sympa à noter, c'est qu'il y a des scènes originales réalisées par le studio Sunrise, donc qui ont fait l'anime, donc qui permettent de, en gros de servir de prologue à la saison 2. C'est ça. Et c'est encore une fois de plus fan service ultime. Donc avoir des scènes originales, oui, c'est ça. C'est quand tu finis le jeu en fait, tu débloques ces scènes. Je sais parce que j'ai fini le jeu, hein. j'ai subi tout le jeu pour débloquer ce genre de trucs. Et là on choisit son compagnon. Son compagnon, donc je vais prendre Locan Stratos qui est le personnage le plus stylé. Le plus classe de toute la série, c'est clair. Et on voit qu'il y a marqué un Kizuna level, donc le niveau de lien. Le niveau de lien tout simplement. Le niveau de lien, donc plus on le prend et plus le Kizuna level augmente. Donc il sera encore plus fort et on fera des attaques encore plus puissantes en coopératif. Ouais, voilà, il y a des attaques coopératives qui sont assez stylées. On va dire que c'est un petit bonus sympa dans le jeu. Ouais. Ça crève sur des briques, mais bon. Ça... Par contre, il y a un mode versus, mais qu'on ne vous montrera pas parce que malheureusement on n'a pas de sauvegarde. Et oui, mais nos sauvegardes de la 4 mois de PS2 ont été effacées. Donc on n'a pas pu les récupérer. Ça c'est assez malencontreux comme accident, mais. Et bon, on fait avec ce qu'on peut, donc. Et en plus, le mode versus, en plus de ça, est pas terrible. Donc ça tombe bien. Ah, laisse tomber, non. Là, il vaut mieux montrer ça avec des cinématiques, avec les personnages qui apparaissent, etc. Voilà. Donc là, c'est le début du jeu quand Setsuna arrive et fait face à Patoli Toku. Patoli Toku, c'était traduit comme ça, je me rappelle, dans les fansubs. Ah oui, les. Alors que le mec s'appelle Patrick, juste. Ouais, voilà. C'est juste Patoli Toku, il avait traduit de façon japonaise. Ouais. Ouais, surtout que même en japonais, il prononce Patoli Toku. Fait Patoli Toku. Ouais, en gros, il prononce un peu comme ça, mais. Et là, on a le Gundam Exia de Setsuna FCI, il a la classe. Ah, le Exia. D'ailleurs, je préfère le Exia que le Gundam Double O qui est dans la saison 2. Ouais. D'ailleurs, non, on en parlera. Non. pas de spoil. La saison 2 se déroule 4 ans plus tard. Ça c'est quelque chose qu'on peut dire, mais. Alors, il se déroule beaucoup de choses, et franchement, c'est une très très bonne série à voir. Même si le film est un peu à plat par rapport aux événements de la série. Là, c'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai. Bon, là, vous voyez comment ça se passe le jeu, l'émission. C'est du grand classique, ça ressemble à. Ah, et là, on passe dans la phase. C'est sympa, on va écouter. Ça fait du bien à vos oreilles, hein. Vous aimez ça. Ouais. Ce n'est pas du tout répétitif. En fait, surtout que ce truc peut durer vraiment très 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 longtemps. Là on est à la chaîne 2, on peut aller jusqu'à 5 je crois. Ouais, donc en gros tuer 50 ennemis. Et en fait ce qu'il faut faire c'est tout simplement avec le joystick, enfin le stick analogique, aller dans la direction où c'est rouge. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est ça. Et c'est complètement contradictoire. Normalement on a tendance à aller vers le vert et pas du tout le rouge. Comme n'importe quel panneau de signalisation nous l'indique, mais là non, c'est dans le rouge. Voilà. Et là je vais atteindre le 5. Et Action Movie level 4. Waouh, incroyable. Avec le con derrière. Waouh, imperfect. Ah, je me suis raté. Voilà. Et plus on réussit évidemment, plus on fait de dégâts. C'est stylé, j'aime bien. Ah oui, Setsuna qui se prend pour un Gundam. Je sais pas trop ce qu'il a mangé, enfin. Ce qu'il a fumé, ouais, surtout. Ce qu'il a fumé, ce qu'il a mangé dans sa vie, mais. Enfin, je sais pas, franchement, il a de gros problèmes psychologiques pour pouvoir se prendre pour un Gundam, quoi, le mec. Mais il n'en reste pas moins quand même intéressant, c'est quand même un très bon personnage, même les 4 personnages principaux sont vraiment très intéressants. Ce qui fait la force un peu de ce Gundam. Oui, je l'ai trouvé beaucoup plus profond que par exemple Gundam Seed. Voilà, j'ai pas accroché malgré le succès. Comment ? Tu vas te faire taper. Non, mais y a pas de soucis, je reconnais le succès qu'il a eu, mais j'ai préféré 100 fois plus celui-là. 100 fois plus, je crois. Ouais, ben moi aussi je préférais ce Gundam Double O, qui est un de mes Gundam préférés. Ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, après il y a les vieux Gundam que j'aime beaucoup, comme Gundam Wing ou Gundam G, mais celui-là, G Gundam, même si c'est un spin-off, mais
Mais celui-là, franchement, c'est, il est vraiment très bon avec un scénario assez profond, donc j'ai beaucoup aimé. C'est clair. Allez, là on est contre Patoletoku. C'est l'ennemi apparaît au début du... Ça reprend donc l'histoire du de l'anime. Ça, ça l'adopte fidèlement, plus ou moins. D'après mes souvenirs, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai fait le jeu. Oui. Mais dans le premier épisode, c'était c'est ce qui se passait, en tout cas ça je me souviens. Et puis aussi, je voulais parler de, du héros cette soirée. Moi je trouve qu'il est assez copié sur Sosuke Sagara de Fullmetal Panic. Il a le même background, il a un peu la même personnalité. Ouais, et il a aussi des origines du Moyen-Orient. Il a des origines exactement du Moyen-Orient, c'est ça, c'est, il a le même background. Ouais. Bon, pas de sans spoil évidemment. Il a à peu près le même âge, et je crois même, je suis pas sûr qu'il a le même nom, je vais regarder ça, je crois que c'est Kashim, son nom. Kashim c'est le nom de Sosuke Sagara, ça c'est sûr, mais après, Setsuna je m'en souviens absolument pas. Ça. Donc pendant qu'il fait des recherches, moi je continue à attaquer quand même pour rien, regardez. Regarde ce jeu super intéressant, bon, bien sûr l'émission Game Bad consiste à montrer des jeux méconnus, mais il n'y a pas que des perles. Là c'est surtout un prétexte pour vous parler de l'anime Gundam Double qui est très bon. Et ce jeu adapte plutôt bien, il reste quand même plaisant à jouer si vous êtes fan de l'histoire. Et voilà, donc c'était intéressant de vous montrer ce jeu, même s'il n'est pas vraiment exceptionnel. Et ça quand même c'est une évidence. Un action movie level 2. Non, rien à voir, c'est pas du tout ça, ah. C'est pas grave. On peut se tromper, on fait des erreurs. C'est ça, bon. Évidemment, il n'y a pas grand chose à dire sur le jeu parce qu'il est un peu plat, on fait toujours la même chose. On débloque pas d'attaque par la suite, ni rien. Les seuls trucs marrants, c'est de voir les animations des attaques en duo, des personnages de soutien. On débloque le transam après par la suite. Et le... Oui, on débloque le Transam. Donc le Transam qui est une sorte de power-up, un super scène pour Gundam. C'est ça, c'est un super scène. Un Gear Second, il est tout rose quoi. Ouais, c'est ça. Après le jeu, ouais, c'est un peu... Je sais pas si c'est fait exprès, mais ça ressemble beaucoup à Zone of the Enders, hein, beaucoup moins bien le, ouais. Par rapport au gameplay. C'est un peu le même principe, on lock un adversaire, on tourne autour en volant. Bah, mais c'est beaucoup moins nerveux, beaucoup moins intéressant. Zone of the Enders, c'est super jouissif. Là, franchement, on a l'impression de faire toujours la même chose. C'est un peu la référence à ce niveau-là, au niveau de... Ah oui. D'ailleurs, des jeux de méca. Monsieur Kojima, quand vous voulez, Zone of the Enders 3. Cette pub cachée. Au lieu de faire Metal Gear là. Ouais, non, Metal Gear c'est très bien. Au lieu de sortir des démos de Metal Gear Ground Zero. T'as eu R1 et c'est bravo. Eh oui, c'était pas très GG. C'était pas très compliqué. Ouais, je te remercie. Et on voit le kiss d'un level de Locan Stratos qui augmente. Eh oui, il a plus de liens avec notre ami Setsuna. Parce qu'ils ont fait. On passe au level 2, c'est incroyable. Et au level 5, il y a une scène yaoi entre les deux. C'est ça. Ah, je ne voulais pas le dire pour pas spoiler, mais oui, effectivement. Donc, nos chers amis de la gente féminine eh ben, pourront se délecter de quelques scènes entre les héros. Je sens qu'il va y avoir des déçus. Oh, bien sûr, tout ceci est du troll. Hein. À prendre au second degré. C'est ça. Bon, on continue l'histoire. Ouais, on a fini la mission. Je vais passer à cette phase visual novel, donc parce qu'en en fait je compte pas les traduire. Non, on s'en fout. Si vous voulez voir l'histoire, regardez l'anime. Ouais, regardez l'anime qui est édité chez Kazé, si j'ai pas de conneries. Donc procurez-vous les Blu-ray, ou alors je sais pas s'ils le font sur Kazé TV ou truc comme ça, si vous avez la chaîne, ou sur ADN, le réseau ADN, ils doivent l'avoir. Si vous avez un compte. Oui, d'ailleurs, oui, le réseau ADN qui diffuse les animes en J+15. Non, ça c'est par rapport à la télé. Ouais, c'est par rapport à J1. À J1 qui diffuse en J+ mon cul. Alors oui, il dit J+1, mais c'est souvent J+2, voire J+7 des fois. Ah, je suis désolé, je troll. Alors que c'est censé être une émission sérieuse et pas une vidéo Nawak, mais là ça se rapproche plus du Nawak. Hein. Franchement.
C'est pas... Je réfléchis tellement pas en jouant à ce jeu, c'est que c'est, je raconte que de la merde. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il suffit de taper tout ce qui bouge. Ouais. Le plus vite possible. C'est vraiment un gros beat'em all, comme on les aime pas. Je vous promets, la semaine prochaine, vous aurez un bon jeu. Mais vraiment un bon jeu. Même ce serait un jeu de voiture. Un jeu de voiture? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, il sera vraiment un bon jeu, avec de l'Eurobeat et tout. Bon, avec du move. C'est ça, du move. Voilà, donc ouais, ça c'est horrible, c'est sûr, franchement. Oh oui, non mais là je vous baisse un peu le son parce que là c'est vraiment pour la tête. Déjà que je suis malade, là je fais cette vidéo là, en ayant deux de tension. Voilà, donc j'arrête ici pour montrer un peu les autres cinématiques. Donc Action Movie de level 2. Donc cette fois c'est Tsunade tout seul. Regardez comme c'est magnifique. Oh mon dieu. Il suffit tout simplement d'appuyer sur au bon moment. Ouais. Et 24 chaînes, waouh. Ça c'est du beat'em all. Alors là, j'ai hâte de vous montrer des jeux comme Senku Basara. Vous allez voir c'est quoi la puissance du beat'em all. Non, parce que là, c'est vraiment le beat'em all du pauvre. Par contre... Non, après il est marrant dans un certain sens où t'as envie de faire la suite et tout ça. C'est, des fois il y a des jeux nanars un peu comme des bons vieux films d'action avec Chuck Norris ou ce genre de truc. Oui. C'est, ça rappelle un peu ce genre de truc, tu prends plaisir quand même à jouer parce que voilà quoi, ouais, t'aimes bien les persos, t'aimes bien l'univers et tout ça. C'est des séries qu'on aime bien, c'est comme Sensea Battle Sanctuary, donc le beat'em all qu'on a déjà présenté sur PS3, et ben, c'est un jeu un peu pourri mais franchement on s'éclate, parce que c'est Sensea. Exactement, mais malheureusement les jeux Sensea n'ont jamais eu un vrai bon jeu de référence pour pouvoir adapter par la suite d'autres jeux, des suites et tout ça. Même si le dernier est par défaut est le meilleur, apparemment. Vraiment par défaut, parce qu'il reste quand même très moyen sur, par rapport aux jeux que peut, comme Naruto et tout ça. Mais là, ça y est, on arrive enfin au combat contre le boss. Et c'est un personnage que tout le monde adore. Et ouais, et qui est-ce? Attention. Je pense que certains auront reconnu le robot Macross. Ah oui, ça c'est une référence surtout. Et oui, c'est Graham Hacker. Graham Hacker, c'est ça. Eh oui. Mister Bushido. Ah non, mais ça c'est du spoil. Non, c'est pas du spoil. Bah si, parce que Mister Bushido, t'es pas censé savoir que c'est lui. En fait. Enfin, bon, tu le reconnais à son doubleur normalement. Bon. Tu le sais par rapport à sa tête et tout ça. Il y a pas de soucis, il a juste un masque. Donc, et pour savoir la référence qu'a fait Vieri, je vais quand même préciser. Il apparaît de Macross simplement parce que le doubleur de Graham Hacker est Yuji Nakamura. Et Yuji Nakamura, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est le héros de Macross Frontier. Voilà. C'était pas par rapport à ça en fait, c'était par rapport au robot qui se transforme en avion, mais. Ah merde! Bon, eh ben merde! C'est pas grave! C'est pas grave, j'ai créé une référence, tu vois. Ah ouais! Tu vois, mon esprit tordu qui a tellement de connaissances à la seconde, eh ben. Arrive à créer des références à partir de rien. Non, la référence n'était pas du tout aussi recherchée, c'était un truc très très simple. Là regarde, ouais, voilà, il se transforme en avion. C'est vrai que tout simplement, ouais, il se transforme en avion comme un trop la classe. Moi j'adore ça dans Macross, Macross qui se transforme en avion, putain. Ça me rappelle l'époque des Transformers. Ouais. Mais elle est vieux Macross quoi, c'était trop la classe. Maintenant Macross est devenu de la comédie musicale. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, on résout les batailles en chantant. Ouais. Ça donne plus envie de se battre aux ennemis et tout ça. C'est un peu du bullshit quoi. Et ouais. Et d'ailleurs, Macross Frontier, l'anime qui a donné le succès qu'a maintenant Main, la fameuse chanteuse que vous devez sûrement connaître si vous suivez un peu l'actualité japonaise, parce qu'elle vient souvent à la Japan Expo. C'est vrai. Et tout ça. Oh, tu en as rapidement décousu. Et ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je pense qu'on en a assez fait, mission complete, ça c'est magnifique. Quel talent. Donc voilà, on vous remercie d'avoir suivi ce 5e épisode de Game Bad qui était vraiment what the fuck. Alors là, on s'en excuse si vous voulez vraiment avoir des infos sur le jeu, mais là c'était vraiment... Le truc c'est qu'il y en a pas beaucoup et comme on n'a pas les sauvegardes, on peut pas faire autrement. Ouais. Et franchement, il a été préparé à la pisse, on l'a préparé en même pas 2 heures l'épisode. Donc on s'en excuse, la semaine prochaine il sera beaucoup mieux, beaucoup plus informatif et voilà. Donc on vous laisse,
sur cette énigme, donc avec la chanson de The Brilliant Green, donc le deuxième opening du jeu. Un petit extrait, parce qu'on va pas fâcher YouTube. Oui, avec les derniers événements de YouTube. Ah, regarde, la canne, la canne. Ah, c'est le petit arbre qui est avec le canne. Allez, à plus, Tommy. À plus, et portez-vous bien.